Il était sorti sur une civière à la 55e minute du 16e de finale de Coupe de la Ligue face à Bordeaux. C'était le 31 août. Il est de retour 7 mois après, Loïc Perrin. C'est dommage de ne pas prendre deux points. On voulait bien commencer à Geoffroy Guichard. Bon, maintenant, il reste encore des matchs. Il va falloir continuer à travailler et puis garder le même état d'esprit. Qu'un jour ou l'autre j'allais finir défenseur central, puisque tous les entraîneurs que j'ai eus m'ont plus ou moins dit que j'avais les qualités pour jouer à ce poste-là. Je pensais pas que ça allait arriver forcément aussitôt dans ma carrière, mais je m'y attendais. Repoussé par la tête de Perrin. Le centre repoussé par Perrin, encore impeccable là. Je pensais qu'il allait avoir du monde, mais pas autant que ça. J'ai l'impression que tous les Stéphanois sont venus ici en fait. Je sais pas combien il y a de personnes, mais c'est incroyable. Vacances seront plus courtes. Non, ça change rien pour nous. Si, parce qu'il faut reprendre un peu plus tôt. Il y a les tours préliminaires. Ouais, les tours préliminaires, mais la reprise, ça changera rien pour nous. Avec la tête de Cormier et la tête de Perrin devant le peuple vert, il vient marquer le deuxième but stéphanois. Une petite curiosité, c'est votre premier doublé? Non, c'est mon deuxième. Le deuxième, le premier c'était? C'était contre Sochaux. Place maintenant aux 7 joueurs que vous avez retenus pour être réservistes. Loïc Perrin. Plusieurs fois, l'international français a reçu des offres alléchantes de clubs étrangers. À bientôt 30 ans, le voilà pourtant toujours stéphanois.
depuis quelques années. Je pense que les gens reprennent du plaisir à venir au stade parce qu'il y a une équipe, je pense, qui correspond bien aux valeurs de Saint-Etienne, qui sont la simplicité. Voilà, je pense qu'on est des joueurs abordables. Dreams, would I come running home to you? I've told a million lies, but now I tell a single truth. There's you in everything I do. Now remember when I told you that's the last you'll see of me. Remember when I broke you down to tears. C'est un objectif, le fait d'y être allé, ça m'a vraiment envie d'y retourner. Après, je sais qu'il y a du monde devant moi. Mais après, c'est pas ce qui peut arriver. Avec ce moyen, il était passé. Oh, attention, la couleur du carton, bien sûr, pour Loïc Perrin. Et ce sera rouge. Ce sera rouge pour le capitaine stéphanois. C'est parti, premier poteau, c'est coupé par Perrin. L'égalisation des Verts, 18e minute, c'est un autre défenseur, c'est un autre coup de pied arrêté. C'est le 114e derby, le derby des derbys, celui qui oppose Saint-Etienne à Lyon. Il n'est pas plus fort, plus intense en France que ce derby-là. Tant que je serai au niveau, j'irai jusqu'au bout. Enfin, je jouerai le plus longtemps possible. Après, il faudra voir d'ici 3 ans la volonté du club, mon envie aussi. Just a young gun with the quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind. Not a yes sir, not a follower. Fit the box, fit the mold, have a seat in the foyer. Take a number, I was lightning before the thunder. Voilà, on aurait été encore vite sanctionné, après encore 3 ce soir. Voilà, on est vraiment dans une période très compliquée. Il va falloir en sortir, hein, ça va être compliqué de toute façon. Thunder.
dreaming about being a big star. They say you're basic, they say you're easy. You're always riding in the backseat. Now I'm smiling from the stage while you were clapping in the nosebleeds. Ça revient dans les pieds de Berić pour un nouveau centre, la tête de Perrin, et 2-2 pour la Saint-Étienne. Loïc Perrin, 23e année en vert. Accélération pour Yarem Chouk qui va faire la différence sur Loïc Perrin, centre fort devant le but. Parce que le foot est devenu beaucoup plus physique, avec beaucoup plus de courses, beaucoup plus d'efforts, et les statistiques le prouvent. Il n'y a pas de fin idéale. Il n'y a personne qui pourra lui en vouloir quand on voit sa carrière. Il est exemplaire. Voilà, ça fait beaucoup de peine de savoir qu'il ne sera plus assis à côté de nous dans le vestiaire. J'espère qu'il restera proche de nous et voilà, il sait de toute façon que toute l'équipe l'aime très fort. Son capitaine Loïc Perrin qui va se stopper là. 488 matchs sous le maillot des Verts, ça c'est énorme. Troisième joueur le plus capé de l'histoire derrière Robert Hervin et René Domingo.